deuxième ligne, on l'avait dit, on essaie de bien tenir les notes qui sont entourées, c'est-à-dire les noires. Quand tu faisais ça, celui-là, tu le tiens bien, tu lis le son, tu lâches pas ton fa. Pareil ici, le sol que je vais faire, je le tiens bien, je lâche pas. Donc ça, c'est la première chose. Le seul arrêt, en fait, la seule fois où tu enlèves la main, c'est à la fin de la deuxième ligne. Et enfin, pour ce morceau, tu vas le travailler très lentement et en essayant de bien timbrer la main droite, comme on l'a vu ensemble. On va prendre la deuxième ligne, je fais juste une note. Voilà, là on est ok, c'est bon. Si j'avais fait ça, ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Après la deuxième note. Troisième note. Voilà, là c'est bon. Tu vas très lentement sur chaque note et tu essaies de te poser la question, est-ce que la main droite était vraiment plus forte que la main gauche ?